Eh bien salut les amis, c'est Clopio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FUT 14 les gars, pour ma série Wager to 500k. Donc nous sommes déjà à l'épisode 2. Donc les gars, je me suis débrouillé pour vous procurer cet épisode 2 les gars, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Vous inquiétez pas, les Wagers vont recommencer. Suivez-moi sur Twitter pour avoir plus d'informations. Si vous avez des questions etc, venez me voir sur Twitter. On va directement inviter notre premier adversaire pour ce premier match. Et comme vous allez le voir, je ne serai pas en live mais uniquement pour ce premier match, tout simplement parce que j'ai eu un problème d'enregistrement. Encore une fois, la dernière fois il y en a un qui me dit: ouais, t'as des problèmes d'enregistrement comme par hasard juste quand tu perds. C'est n'importe quoi. Je fais même les gaffes, si vous me croyez pas, tant pis. Moi je vous dis que j'ai eu un problème d'enregistrement, je fais pas exprès que la bande son ne s'enregistre pas. Enfin bref, on va pas débattre là-dessus, vous me connaissez hein. Voilà. Donc si vous avez besoin de crédit, allez dans la description sur le site FIFA Crédit, utilisez le code Clopio pour avoir 5% de réduction. C'est 100% fiable et ultra rapide. Il y a pas de souci à se faire les gars si vous en avez besoin. Donc là voilà, notre premier adversaire a misé 10 000 crédits pour ceux qui se poseraient la question. Donc on est directement prêt pour lancer le match. Et vous inquiétez pas, je vais essayer de vraiment de faire participer un maximum de personnes à cette série. Et on va tomber contre une équipe de Manchester United complète. Donc je vais vraiment essayer de faire participer un maximum de personnes pour cette série. Donc c'est lui qui va se procurer la première occasion avec Ashley Young. Il va la décaler pour Fellaini qui va frapper. Mon gardien est sur la trajectoire, pas de problème. Ensuite c'est moi qui va avoir une occasion. On va partir d'une touche tranquillement, il n'y aura pas de problème. Mario Gomez il va la mettre à Draxler, ça n'arrivera pas dans les pieds. Mais Draxler là il ne voudra même pas faire une passe. Ibarbo il récupère le ballon, il ouvre le score. De toute façon Ibarbo vous le savez il est très très bon, il est cheaté. Enfin bref, tout le monde aura un autre avis sur ce joueur là. Ensuite c'est Marco Reus qui la redécale encore une fois pour Ibarbo. Ibarbo là en puissance, plus personne ne peut l'arrêter. Ça fait 2-0 déjà à 27ème minute de jeu. Là un corner avec Draxler, c'est comme un penalty avec Kroos, vous le savez. C'est Santana qui vient mettre la tête. 3-0, 31ème minute de jeu. Et là Mario Gomez, qu'est-ce qu'il fait? Il va lancer Draxler, Julian Draxler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire pied gauche. Et là avec un peu de chance, un peu de réussite, ça met le 4ème but du match. Donc c'est pas mal. Là c'est Nani qui va envoyer Ashley Young. Ashley Young, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se présenter face au gardien. Et malheureusement pour lui ça va être largement à côté. Donc il n'y a pas de souci à se faire pour nous. Là par contre sur le corner, mon joueur l'a un peu aidé à marquer hein. C'était un petit fair play qu'on peut appeler ça comme ça. Voilà, enfin bref, Draxler il va se remettre sur son pied droit. Le petit Ronaldo chope, il enchaîne la frappe. Ça fait 5 buts hein, les gars. C'est vraiment une machine ce Draxler, y a pas à dire. Et là par contre Van Persie, une fois qu'il est parti comme ça dans le dos de la défense, c'est chaud de l'arrêter. Mais mon gardien il respecte rien, il l'arrête quand même, surtout que sur son pied gauche. Et là Ibarbo qu'est-ce qu'il va faire? Il va centrer pour Cuadrado, là retourné malheureusement, c'est capté, c'était cadré au moins mais c'est dommage. Par contre là Van Persie il est vraiment parti sur son pied gauche, on peut rien faire. Ça fait 5 buts à 2 malheureusement pour moi. Mais voilà, je suis largement en tête de ce match. Donc victoire 5 buts à 2, ce qui nous fait 10 000 crédits de plus pour la cagnotte. Ça fait toujours plaisir, c'est que 10 000 crédits. Mais voilà, au moins un maximum de personnes puissent participer, ça fait plaisir, entre 10 000 et 50 000 crédits. Donc voilà, Draxler homme du match. On se retrouve pour le deuxième match qui cette fois-ci va être en live. Voilà les amis, c'est parti pour le deuxième match de cet épisode numéro 2 les gars. Donc notre adversaire a misé 13k, donc 13 000 crédits. Donc voilà, hein, j'espère que ça vous plaît toujours. Et donc j'espère qu'il va venir assez vite. Voilà, et on se retrouve directement pour le match. Non c'est bon, il est là, même pas besoin d'attendre. C'est parti, 74 d'attaque. Oula, qu'est-ce que tu vas me sortir comme équipe? Les maillots du Real Madrid, 75 de milieu, 82 de défense. Ça serait peut-être une équipe argent, je sais pas. À nous de voir. Donc c'est parti les gars, une Bundesliga. Ouais, c'est une Bundesliga. Alors, vous m'expliquez comment il fait pour avoir aussi peu de notes. Mais bon, là, je m'en fous, c'est comme ça. Il y a Toni Kroos qui a signé au Real de Madrid. Ouais, et après, c'est une belle équipe de Bundesliga, hein. Gustavo, Draxler pour Cuadrado. Il met un peu de vitesse, Cuadrado il est passé, il va frapper. Et c'est 1-0, ce mec est trop fort. De toute façon, Juan Cuadrado les gars, retenez ce nom, je vous promets qu'il va... Vous allez voir quoi. Oh, est-ce qu'il y avait petit pont? Est-ce qu'il y avait petit pont? Ça sera vérifié parce que c'était violent s'il y avait petit pont. Reus qui accélère aussi, il va frapper. Oh, c'est la putain de transversal équerre, je sais pas quoi. Mario Gomez, sur son pied droit, il va croiser. Oh là là, l'arrêt de ouf. Quand... Il va centrer, il y a personne pour choper. Et si, il y a le gardien, j'avais oublié. Reus, je sais pas ce que tu fous de ce côté-là. Essaye de la sauver, tu l'as sauvé, et tu lui redonnes par contre, ça c'est dangereux. Il va centrer directement, et là, il y a l'égalisation. Marco Reus qui lui donne le ballon. Une erreur se paye cash, ça fait un partout. On envoie Ibarbo, on envoie Ibarbo. Ibarbo pied droit, il y a but. C'est sûr qu'il y a but, c'est sûr qu'il y a but. Ces Colombiens ils sont cheatés les gars. Cuadrado, Ibarbo. L'appel d'Ibarbo encore, il va croiser son tir. Oh dommage, putain combien d'arrêts il a déjà sorti son goal. La frappe, attention. Draxler tente la chance.
Tente ta chance, Draxler. Corner. Le barbeau la frappe. Putain, mais c'est encore sorti, mais c'est pas possible. C'est qui au cage? Là, il y a but, c'est obligé. Allez, très bien tiré. Allez, très bien tiré. Voilà. Ça fait des pénalties avec Draxler, un corner. Je vous le répète. Eh oui. Kuba, 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 Kuba. Yakub. Eh, Blazikowski. Voilà, une fois qu'il est parti comme ça en vitesse, c'est difficile de l'arrêter. Mais son pied gauche qui passe ça, ça m'étonne. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Eh, but. Eh, but. Eh oui. Personne l'attaque, il avance. Personne l'attaque, il avance. Personne l'attaque, il avance, il va marquer. Comment tu loupes ça, Gomez? Bon bah, ça sera les prolongations. Première prolongation, les gars, de la série. Voilà quoi, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Dommage là qu'on se fait. Putain, les gars, regardez comment je domine le match. Ça me fait mal d'aller en prolongation alors quand je vois ces stats là. Hein. Putain, mais t'as fini de centrer un an ou pas? Et voilà. Et après, les gars, c'est moi qui fais que de mettre des centre-têtes. Hein. Non. Reus. Voilà, Marco Reus. Je sais pas ce que t'as fait, comment t'as levé le ballon, ni quoi. Mais au moins, on égalise. J'aimerais voir le ralenti, quand même. Comment il a fait pour lever le ballon, là? On verra pas, mais j'ai pas compris. 21 tirs contre 10. 17 tirs cadrés contre 8. Et il y a 4-4. C'est du n'importe quoi. Et c'est de nouveau une tête. Je crois qu'il a mis que des buts de la tête. Ok, c'est un corner. J'ai pas à me plaindre. J'ai pas à râler. C'est comme ça. Mais ça m'énerve la manière. Ibarbo, il est parti. Vas-y maintenant. Vas-y, Barbo, égalise. Et voilà, c'est ça un vrai but. Putain, les pénaltys, les gars, vont nous départager. Mario Gomez. Et c'est un 0, yes. Julio, t'es là. Julio, il est là, yes. Et elle est dedans. Elle est dedans. Et yes, deuxième arrêt. Et yes, les gars, c'est bon. Tant qu'on les loupe pas, les nôtres, c'est l'essentiel. Ok, pas grave. Marco Reus à droite encore. Et ça va passer, yes. Putain, heureusement qu'on gagne ce match. Je vais vous montrer les stats et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Heureusement qu'on gagne ce match. Amplement mérité, c'est amplement mérité. Regardez-moi les stats. Attention, vous êtes prêts? Regardez-moi ça. 18 tirs cadrés contre 11. Merci. On se retrouve pour le troisième match qui nous fait 13 000 crédits supplémentaires à la cagnotte. Et c'est parti pour le troisième match. À tout de suite. Donc les gars, c'est parti pour le troisième match de cet épisode numéro 2 de Wager tout 500k. J'espère que notre adversaire va venir assez vite, sinon on se retrouve directement dès qu'il est là. Ou ouais, on sait pas. J'espère qu'il va venir assez rapidement. Ok, notre adversaire est là. Oula, il a pas beaucoup de collectifs. Noboa, International Man of the Match, il avait écrit. Ouais, d'accord. Je sais pas ce qu'il m'a fait comme équipe là, mais avec 52 collectifs. Ouais, donc je précise juste qu'il a misé 10 000 crédits. Ok. Si tu veux jouer avec ça, d'accord. Chicharito s'est sorti par Julio, heureusement. Première occasion. Cuadrado, on l'a vu partir. Cuadrado, il va frapper tout de suite. Pied. Oh la barre, putain, dommage. Il va enrouler, il va y avoir but là, c'est obligé. Ouais, c'est obligé, c'est obligé. Très bien. 1-0, 11e minute de jeu, Marco Reus. Cuadrado encore. Maintenant, il va planter. Maintenant, il va planter. Eh, quand même, au bout de 3 occasions, faut quand même la mettre, quoi. Hein. 2-0, c'est bien ça. Regardez bien le corner. Et il y a but. Voilà, un penalty, c'est pareil. Un corner pour Draxler, c'est comme un penalty. Eh oui, 3-0. Pour Mario Gomez. Le crochet, Gomez pied gauche, 4-0. C'est facile. Pour Mario Gomez, parfait. Voilà, 5-0. Passe décisive Draxler pour Gomez pied gauche, 5-0. On fait partir Ibarbo. Allez, le sixième. Allez, le sixième. Allez, le sixième. Et voilà, 6-0 avant la mi-temps. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, ça fait mal. Pour Ilkay Gundogan. Gundogan, il va tenter la frappe. Oh là là, si même Gundogan se met à mettre des long shots, c'est bon, c'est la fête, quoi. Oh, le petit pont. Oh, Santana, t'as pris cher. Santana, t'as pris cher. C'est parti. Julio César, c'est parti. Merde. Et oui, Cloupier, à force de vouloir faire le malin, tu te prends un but, hein. Gomez. Allez, Gomez, t'enroule. Même pas besoin d'enrouler en hauteur. Lui, c'est un rat de terre. 8-1.
Marco Reus, il se fait plaisir. Hein. Il se fait très plaisir, Marco Reus. Il fait tout le terrain tout seul, des petits gris-gris, tout simple, mais qui font mal. 9 à 1. Bon, voilà, les gars, le match est terminé. On termine sur un massacre, sur un... Je sais même pas comment appeler ça. 9-1, les gars. 3 matchs, 3 victoires consécutives. Encore une fois, on a 6 victoires consécutives dans la série. Ça fait plaisir. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais on va pas encore se quitter. On se retrouve pour le bilan de cet épisode, les gars. À tout de suite. Donc, les gars, pour le bilan, malheureusement, j'ai pas pu le faire avec Photoshop, etc. Tout simplement parce que je n'ai pas mon ordinateur, comme vous êtes au courant. Donc, je suis sur l'ordinateur d'un pote. Donc, il n'y a pas Photoshop dessus, malheureusement. Donc, je vais le faire oralement. Puisqu'à l'épisode précédent, nous avions atteint 75 000 crédits. Dans cet épisode-là, nous avons gagné le premier match, nous avons gagné le deuxième, nous avons gagné le troisième. Ce qui nous fait que nous avons gagné 33 000 crédits en tout, puisque le premier adversaire a misé 10 000, le deuxième 13 000, le troisième 10 000. Ça fait 33 000 crédits en tout. Et 33 000 crédits plus 75 000 crédits, cela nous fait un total de 108 000 crédits. Et un gain total durant cet épisode numéro 2 de 33 000 crédits. On n'a pas encore perdu, les gars. J'espère que ça va continuer sur cette lancée-là. J'espère que ça vous plaît toujours autant, les gars. Je vous tiens vraiment au courant sur Twitter comment ça va se passer la série. Donc vraiment, le lien est dans la description. Suivez-moi pour être au courant de tout au maximum, tout simplement. J'espère que ça vous plaît. Pensez à liker, ça fait super plaisir. Si vous likez au plus vite il y aura de nouveaux wager match pour remporter quelques crédits, etc. Je vous dis à très bientôt. C'était Clopy. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.